Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bonne semaine. Mes journal créole, la médecine, cap dominant actualité. Direction protection civile, mandé population à prendre précaution à cause risque inondation. La pluie cap tombé depuis week-end long, capable provoquer plusieurs côtés dans le pays. Yon prisonnier 21 l'année, tout y était li dans sous-commissariat Vialet, dans Tigouave, dans la nuit 27, pour l'ouvrir 28 mars là. Bandi au lagué docteur Michel D'Alexis samedi soir, après 22 jours depuis au kidnappé. Citoyen dans la Fito ak Simonette qui nan capitale là, touye et puis boule yon individu 25 mars après yon tentative kidnapping d'après la police. Et puis gros mobilisation contre zak kidnapping yon toujours kembe pour 29 mars là, jour anniversaire Constitution 1987 là, en pile organisation sociopolitique mandi citoyen yon prend la rue pour exprimer kolè yon. Madame, Monsieur, et tak nou. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Messieurs, nous retournons sur la table de notre site depuis week-end long, temps pas fin bon. Direction protection civile DPC mandé population à prendre précaution à cause risque inondation. La pluie cap tombé depuis week-end long capable provoquer plusieurs côtés dans le pays. Gen ça prévisionniste yo relé yon front froid cap traverser pays a sa cabaye en pile la pluie dans plusieurs départements géographiques, particulièrement dans le nord, côté capable bien inondation ak déboulonnaite d'après responsable DPC. Temps a prêté consa jusqu'à mercredi d'après prévision qui fait yo. Yon prisonnier 21 l'année, touye tête li dans sous-commissariat Vialet dans Tigouave, dans la nuit 27 pour l'ouvrir 28 mars là. Yon situation qui la cause gros saisissement dans mi-temps citoyen yo, dans commune là. Première information yo, pas dit comment prisonnier a fait, touye tête li. Bandi au lagué docteur Michel D'Alexis samedi soir après 22 jours depuis qu'il a été kidnappé dans la polyclinique Riel Bern sous Bois Verna alors qu'il a mené activité. Il a été kidnappé ensemble avec collègue Pierre Bonsi. Bandi a été libéré quelques jours avant. Kidnappé a été exigé l'argent, famille docteur a été bail, mais a été toujours kembé à cause il a dit l'argent pas assez et puis a été décidé kembé moun qui était pour rançon qui s'ayant pas papitit. Jusqu'à présent, pas gain information sous libération ou non, mais c'est ça. Faut que nous fassions on est citoyen dans la Fito ak Simonette qui nan nan capital la touye et puis boule yon individu 25 mars après une tentative kidnapping d'après la police. Te gen des lot malfra qui te gen tan kouri yon te nan yon machine et yon tap essaye kidnapper des moun kap évolué nan diaspora. La police te gen tan arrêté individu qui mouria mais moun nan population qui te en colè te bay pression côté policier yon te obligé bay kidnapper présiméa d'après la police machine qui te nan men bandi impliqué dans divers actes, côté où t'es détourné plusieurs camions marchandises dans Canaan 50 sur route nationale numéro 1. Le responsable PNH a continué à demander collaboration population dans l'idée pour capable combattre l'insécurité, particulièrement les kidnapping. Plusieurs partis politiques, tant qu'organisation PEP Caplité, OPL, Mouvement Patriotique Populaire, Dessaliniens, MOPOD, déclaré au solidaire avec Mouvement contre Insécurité. Zak Bandiyo provoqué trop d'œil et désolation non familial, d'après sa dirigeant politique Sayo souligné. Il a demandé tout secteur levé campé pour faire celle contre Insécurité. En écouté Jean-André Victor, qui n'a MOPOD, dans le micro Isdra jeudi avec Macarson Mexil. Nous venons présenter Jean sénateur Louis Blanc d'Abdillah, ont l'autre façon pour nous gagner l'autre vision sur la gouvernance pays. Qui j'en noue lutte contre l'insécurité pour que la lutte soit efficace, li durable, li autonome. Pour nous arriver dans ça, nous gagnons quatre modèles de mobilisation pour nous respecter. Donc le premier, c'est mobilisation physique. La mobilisation physique, là, c'est exemple, là, c'est demain. La vidéo prend la rue, ou fait manifestation, ou fait sitting, ou fait marche, eh bien, c'est une forme de manifestation que l'on a. Forme de manifestation, ça, résultat, on va chercher là-dedans, folta durable. Mais, ou pas qu'à faire manifestation tous les jours. Ou pas qu'à faire manifestation 24 heures sur 24. Faut peuple là manger, faut là le travail, faut timoun à l'école,
faut l'État a fonctionné. Nous-mêmes, nous cherchons et nous venons présenter nation une façon pour résoudre le premier problème. Syndicaliste Herman Similien, qui t'a participé dans la conférence pour la presse, dirigeant politique Sayo, t'a organisé 28 mars là, estimé qu'il y a 10 000 personnes qui perdent du travail dans le secteur transport à cause d'insécurité. Routio qui bloquait particulièrement dans l'entrée site capitale là, et puis bandits qui volaient camions, marchandises, zak kidnapping la cause, en pile entrepreneur fait groupette. D'après lui, tout citoyen yo t'a doué prend la rue pour mettre un bout dans l'insécurité. Herman Similien, dans le micro Esdra. Jeudi à Macquerson m'exil. Insécurité ça, comme dit Jean-Soud Paléa, li affecté secteur syndical là. Nous avons dit dans sa totalité. Parce que le, on garde sous zone martissant. Nous rappelons nous que bandits nous perdu à peu près 10 000 emplois. 10 000 emplois, parce que nous connaissons que les gens qui habitent, Carrefour, Gressé, etc., donc les gens qui travaillent dans la sous-traitance, et eh bien tout le monde, en pile les gens là-dedans, ont perdu l'emploi. Yo. Nous perdons l'emploi toujours dans le chauffeur, yo, dans le transport yo, surtout. Nous connaissons qu'il y a un bon monde, un bon chauffeur qui mourit. Ça qui mourit, ça qui kidnappé, même marchandises. Par exemple, moi-même, mon beau-frère, il veut acheter deux fois l'acheter marchandise. Il prend un camion de marchandise, et bien il a perdu. Donc, l'insécurité, pour nous, il a affecté tout ensemble, dans net, ensemble population. Avocat militant Maurice Noël, qui dans le réseau national pliant Petro-Caribé, était quoi 29 mars là, c'est une bonne occasion pour citoyens qui prennent la rue pour dénoncer l'insécurité. D'après lui, c'est pour l'occasion pour condamner mauvaise gouvernance Premier ministre Ariel Henry avec pratique corruption qui gagne dans l'État et puis la vie chère qui rend une situation difficile chaque jour plus. En écoutant le micro, Aubert Charles avec Macquerson Mexil. Objectif conférence de Bressa, c'est pour que nous participons avec constitution 29 mars là. Dit que nous connaissons constitution après faire 35 ans et puis 100 fois les lois a maltraité la pilonne en papier. Je dis à les n'a regardé comment peuple ça a nayé non de l'eau sale et tandis que soi-disant dit gain dirigeant. Eh bien, qui ça dirigeant fait pour peuple haïtien? Rien. Je dis, nous gagnons un gouvernement de facto qui prend pays en otage plus raide que Jovenel Moïse. Mêlé avec un petit acolyte, un petit clic qui a fait comme ensemble avec. Eh bien, on dit ça fait garder peuple haïtien. Il n'y a pas la peine. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas dans la rue pour nous manifester et pour nous dire à bas insécurité. Il est clair pour tous les journalistes qui sont nous-mêmes, nous victimes de l'insécurité à tout. Avocats, petits marchands, hommes d'affaires, tout le monde victime de l'insécurité. Je dis à nous clair et nous pas avancé et nous prenons responsabilité nous, pour nous piler béton avec toute force. Nous. Pour que nous gagnions la transparence dans l'État. Soubopa l'activiste Saint-Louis Kenal Joseph encourageait tout le monde dans tout secteur prend la RIA pour protester contre l'insécurité, particulièrement à kidnapping, caperon familio, puis pauvre. Militant déclaré faut que tu aies un changement dans tout système là qui la cause pays à tomber dans crise généralisée, ça, qui vient plus grave depuis quelques mois. Force N157. Force des organisations pour la stabilité nationale. Constitution 1987 là, c'est lui-même qui donne nous comme fierté, liberté, égalité, fraternité. Dans la bataille que nous avons lancée dans tout le pays, contre insécurité, la vie chère, à kidnapping, non, eh bien, c'est une bataille directe. Raison ça yo. N'a demandé peuple là, réveillez-vous, retirez vos nas, fermez les yeux, virez tête, gardez devant, et bien pour vous, l'on réouvre encore,
ou après ou vivre dans niage. Et bien pour raison ça yo, faut toute population en frappe pied la terre pour nous lancer opération Ralechez en Babouda Haïtil pour nous sortir dans sa nouvelle là. Vive yon Haïti libre, heureuse et prospère. Commission pour la paix et le développement CPD rencontré 25 mars la divers jeunes qui soutiennent dans plusieurs quartiers défavorisés dans le cadre concours Poésie et Slam. Il était lancé depuis septembre passé. Un organisateur, Fritz Nel Pierre, activité ça, entré dans le cadre projet sous éducation civique CPD Mété Campé. Plus passé 100 jeunes étaient inscrits dans le concours ça et c'est 20 parmi eux qui étaient participés. Ils ont produit un texte, ils ont jury été analysé. Premier gagnant dans chaque catégorie, ils recevoir un laptop. Top. En écoutant précision, Fritz Nel Piana, micro Aubert Charles, avec Estravinsky de Rameau. Pour rentrer dans le cadre d'un projet que CPD, qui se combine pour la paix et le développement, a exécuté depuis le mois de septembre 2021, qui arrive à thème, journée jeudi 25 mars 2022. Qui ça projet a? Le projet a, c'est action d'éducation à la citoyenneté et au renforcement éducatif des jeunes défavorisés des bas d'Elma et des zones précaires de la zone métropolitaine. Donc, c'est un projet qui a plusieurs composantes. Une des composantes, c'est promouvoir le civisme, l'éducation à la citoyenneté et les droits humains. Deuxième composante, c'est encourager Timounio et faciliter Timounio en cohésion avec la lecture. Et puis, troisième composante, c'est un appui psychosocial mobile pour Timounio. En fait, le projet A, c'est un projet qui est fait dans des zones assez difficiles d'accès. Côté nous t'es constaté non série des quartiers jeunesse là pas de modèle jeunesse là tellement livré là avec sa roulée de oisiveté nous t'es jugé important et nécessaire pour nous t'es bailler pour nous créer un nouveau paradigme de façon à ce que jeunesse là gagne de l'autre activité qui sensible à l'esprit pour nous capable de construire tête comme monde pour nous capable de gagner une autre Haïti. Soubopal gagne une catégorie poésie blanc chez Maya Tebat Bravo pour initiative ça activité ça te permettre li fait plus j'effort d'après ça le fait qu'on est pendant l'invité génie au travail pour capable préparer avenir. Bon, tout d'abord, moi c'est Blanche Maya, moi j'ai 18 ans et moi dans l'Université épiscopale d'Haïti, moi dans première année faculté de médecine. Donc c'est avec un grand sentiment que moi t'ai participé dans concours ça, moi t'ai toujours qu'on participer dans activité CPD qu'on fait et yo t'ai arrivé faire une formation pour nous sur slam et poésie et yo t'ai ban nous deux thèmes, un travail pour un autre Haïti avec comment pour nous bâtir un autre demain. Donc moi t'ai choisi un travail pour un autre Haïti et moi t'ai bâti la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui avenir pays a. Bon, c'est la première fois que moi j'ai participé dans un concours et c'est la première fois tout que moi j'ai écrit un texte parce que c'est grâce à CPD formation que j'ai fait donc moi j'ai arrivé et écrit texte là et moi j'ai fait grâce avec parents yo tout yo t'ai aidé dans démarche scénique yo tout ça parce que yo t'ai dit ça t'ai compté en pile donc c'est ça. Madame, messieurs, venez la boutte, nous avons été branchés Télé-Pacifique pour S programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.